Voici la deuxième partie du tuto consacré au titre de Patrick Bruel. Est-ce que tu danseras avec moi? Donc on était arrêté au couplet dans la première partie. Maintenant je vais vous montrer le refrain. Le couplet se termine avec un La mineur. On va faire une montée jusqu'à un Do, donc un Do majeur. En fait, on va faire La, Si, Do. La montée de la gamme de Do. La, Si, Do. Donc autrement dit, je suis sur un La mineur avec l'annulaire. Je vais le libérer et je vais venir en fait me placer sans bouger les autres doigts. Le seul doigt qui va bouger, c'est l'annulaire. Là, je vais venir pincer la note de Si qui se trouve en cinquième corde, deuxième case. Donc ça va faire ça. Voilà. Écoutez bien la transition. L'arpège qui est joué à la main droite est toujours le même, hein. Donc, en fait, ça veut dire que la corde de La va être jouée trois fois de suite. Trois fois de suite, donc ça fait. Voilà, la transition vers le Do. Trois allées, il n'y a pas de retour pour la transition. 1, 2, 3. Allez, 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 allez. Voilà. Sur la corde de La, donc la cinquième corde. Ensuite, on va être sur un accord de Sol où seules deux cordes seront frottées, la deuxième et la cinquième. Donc ça veut dire, je me retrouve avec en cinquième corde, deuxième case, on vient chercher en fait c'est la tierce majeure du sol. Ça c'est un sol. Là, je pose mon index ici. Donc je viens chercher en fait la tierce du sol. Et avec l'annulaire, je viens chercher, je le positionne en troisième case, deuxième corde. Donc, alors là, il va falloir maintenant basculer vers de nouveau le La mineur. Par contre, on va faire un petit aspect technique, on va faire ça. Donc, ça va se passer avec l'auriculaire. Donc, je ne sais pas si on arrive à voir bien ce que je fais. C'est avec la corde de Si, en fait, hein, qu'on va jouer. La deuxième corde. Donc. Pas évident, hein, ce petit passage-là. Sol. Donc, je vais relâcher l'annulaire. Deuxième corde. Et avec l'index, je vais venir chercher la tierce mineure du La. La mineure. La tierce est donc ici. Première case, deuxième corde.
Donc ça fait... Et je relâche mon doigt pour jouer la deuxième corde à vide. C'est joli ça. Et je me repositionne en la mineur. Voilà, travaillez bien ce petit passage-là. Ensuite, du la mineur. Je viens relâcher l'annulaire comme tout à l'heure, comme dans la première partie, et je viens le positionner en basse de sol. Donc en fait, ça vous donne un la mineur septième avec une basse de sol, quoi. Pour finir, on va aller chercher le Ré avec une basse Fa dièse qu'on a déjà vu dans la première partie du tuto. Le Fa avec une sixte majeure qu'on a également vu dans la première partie. Le Sol Ad 9, qu'on a aussi vu. La mineur. Et pour terminer le refrain, il va passer par un Fa. Alors là, on peut le jouer. C'est un Fa classique, cette fois. Par contre, vous voyez, avec l'index, pour agrémenter un petit peu le tout, je vais faire corde à vide de mi, sixième corde. Je viens frapper mon Fa en positionnant mon index en première case. Mi majeur. Mi majeur classique. Et la dernière mesure, ce sera pour le La mineur. Je vais faire un La mineur avec un hammer en... pour faire un La sus 2 et repasser avec la tierce mineure du La. Donc, et là, je jouerai la corde de Mi aiguë à vide. Et je redémarre. Alors, je vous refais lentement le passage du refrain. Donc, je suis en la mineur. Deux mesures. Et là, je vais commencer mon Do.